Here comes the y'all don't really worry about it. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 15 du Main Event sur le mode univers de WWE 13. Donc c'est nos deux derniers shows avant Money in the Bank, le pay-per-view de l'échelle. Ou qui sera le Mister Money in the Bank? Et d'abord, qui sera les participants au Money in the Bank? On sait d'abord que John Cena affrontera donc CM Punk, logiquement. Brock Lesnar affrontera Jack Swagger, Kofi Arthus, on sait pas si ce sera Primo ou The Core. Nikki Bella, normalement, ça serait Natalia qui l'affronterait, sauf s'il a un match à SmackDown. Et SmackDown, on ne le sait pas encore. On regarde vite fait donc les matchs. Ouais, ça peut le faire. Des petits matchs de... Je vais pas dire de merde, mais des matchs normales, on va dire. Et on se retrouve donc juste après les entrées donc de Yoshitatsu et de Uniko. A tout de suite les amis. Vous me laissez deux secondes, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Yoshi, tu vas perdre. Voilà. J'ai envie de prendre Unico pour une fois. Là. Un prochain difficile, je suis pas sûr. Donc tous les matchs que j'ai fait tout à l'heure. Je crois que là je suis. Ouais, j'ai fait. Là je suis en session de. Je suis sur WWE 13 depuis à peu près, on va dire, une heure et demie quand même. Avec des matchs que je fais en vidéo. Ouais, c'est, là je crois que je suis en session de plus d'une heure et demie sur WWE 13. Donc je suis assez chaud, je suis bien préparé. Oulala. Je crois que je suis en difficile, ouais. Ouais, que je fais gagner Yoshitatsu beaucoup ces temps-ci, mais
va faire gagner un peu Nico quand même, hein, parce que ce mec, il gagne pas souvent. Hein. Il a quelques matchs à Main Event et il ne gagne pas. Même s'il joue presque jamais avec Nico. Back into the ring now. The official continuing his count to 10. Voilà, on provoque un peu quand même. Non, Yoshi qui n'est pas dans la provocation. Non, lui il reste banal. Attention, je vais éternuer. D'arrêter mon éternuement, c'est bon, j'ai arrêté. Voilà, une zigue dans ta tête, Yoshi Tatsu. C'est quoi, Yoshi? Ben, tu vas te prendre une prise. Voilà. Ça, c'est dit, hein, ça, on s'y attendait pas à ce que tu dises ça, franchement, qu'il se prenne une prise. Hop là. Ouh là là. Yoshi qui se défend pas mal, Yoshi qui se défend pas mal. Voilà, je te fais bien correctement. Je monte sur le troisième corps pour te faire un Lucky Lana. Lucky Lana en fait, je dis toujours ça. Ouh, dropkick, magnifique dropkick de Hunico. Hop là. Oups, celle-là. On provoque un peu extérieur du ring. Oh, le Tonko Buster. Eh oui, j'ai révisé avant. Ouh, le Hero Slam. Je crois que c'est un Hero Slam. Wrestling Hero Slam. Donc simplement un. Ouais, on va comprendre. Ouh, le kick de Yoshi. Eh oui, Yoshi. Je vais essayer de l'empaler déjà dans le poteau. Voilà le German Suplex. Alors on va faire un peu relever Yoshi. Allez, toi, c'est en fait le coup spécial finisher, c'est la même chose. On n'a pas d'idée chez THQ, hein. On n'avait pas d'idée pour ce personnage. Ah oui, le coup spécial finisher, c'est le même. On va le tourner. Et on va essayer. Oh, Yoshi! Quand j'essaye un truc, il me contre. Et quand j'essaye que dalle, il me contre pas. Et voilà. C'est la dure loi de ce jeu. Ah, j'ai pas mal au coup par contre là. Hop là, si t'as cru m'avoir, mon poteau. Tu te fous le doigt dans le cul. Voilà, là, c'est dit. Vraiment, c'est le doigt dans l'œil. Pour moi, c'est le doigt dans le cul. Allez! Allez! Allez, allez. Oui, Nico. Ah oui. Voilà. Tu tournes et tu vas bouffer le poteau. Prends l'élan. Ah non, c'est notre fait. Le dropkick qui passe easy money. Il n'a pas joué un finisher non, t'as un finisher comme ça. Ah si, il en a un. C'était un Sunton Bomb, hein. Oui. Onico wins. Bah, Onico a enfin gagné un match. Et comme j'ai à la fois, j'avais plus trop de temps, bah, on va essayer de prendre un peu moins de temps en supprimant déjà les replays, hein. Ils sont beaux les replays, c'est vrai, mais c'est un peu chiant, surtout quand t'as du temps et que t'as pas envie que ça dépasse un certain délai. Très belle image, hein.
D'où Nico, avec le petit sourire de tueur. Et non. Alors c'est quoi le prochain match? Nous allons voir ça tout de suite, les amis. Otunga Kingston. Ok, c'est noté. Désolé, hein, toujours pareil. Hein. Kingston, il perd des matchs, je vais le continuer à le faire perdre. Il se croit fort parce que donc il a perdu, je crois que ça fait déjà 2-3 matchs qu'il perd par équipe et il se dit je vais faire quelques matchs solo. Peut-être que je suis meilleur. Eh ben non, parce que Otunga va te battre. Parce que j'ai envie de les mettre Airtrus et Kofi Kingston dans le mal et dire comme quoi ils perdent tous les matchs quand ils sont en équipe et des matchs quand ils sont en solo. S'il y a des matchs avec Airtrus, j'essaie de faire gagner Airtrus comme ça. Airtrus montrera qu'à Kingston que Airtrus est bien plus fort que Kofi Kingston. Et peut-être une rivalité suivra entre ces deux catcheurs. Ça peut être pas mal. Moi je suis ok pour cette petite rivalité. Hein. Kingston et Airtrus, plein de leurs titres. Donc comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, j'essaierai de durer, donc déjà si j'arrive à enregistrer les épisodes du mode univers jusqu'à SummerSlam, en comptant bien sûr SummerSlam, et de vous pouvoir vous les proposer avant la sortie de 2K14, donc bien sûr de WWE 2K14, je pourrais, si j'arrive à vous proposer ça, je le ferai. Hein. Si j'arrive, hein, après, si j'arrive à vous proposer ça et que on est par exemple, je sais pas, à une voire deux semaines de la sortie, que j'ai plus de vidéos de catch à vous proposer, ben, je sais pas ce que je ferai, je ferai peut-être des petits matchs, des affrontements, je verrai. Je n'irai pas après SummerSlam, parce que si je après SummerSlam, imaginons que j'arrive à vous supporter tous les épisodes en comptant sur le slam, et il nous reste à peu près 2 semaines et demie avant la sortie du jeu. Je peux pas vous proposer des épisodes du mode de univers jusqu'au pay-per-view suivant. Parce que moi je me dis que arrêter un mode univers, c'est arrêter sur un gros pay-per-view. Mais non, en plein milieu d'un mois où il y a une grosse rivalité qui est à fond et tout, pour moi ça. Bon bah écoute, on va nous proposer un bon pay-per-view pour finir. Pour les pay-per-views, moi je vais les faire en légende, mais non, ils seront plus longs. Et vous aurez donc un peu plus de deep light, un peu plus développé, on va dire.
Bah, elle dit que c'est Capital Punishment, c'était plutôt pas mal, ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait mon petit boulot, mon petit montage, tranquillou. Et peut-être que je ferai aussi, ouais, si j'arrive, ouais, je vais sûrement faire ça. Après mon univers, ça serait que je fasse des compilations de Super Saiyan, que j'enregistre, donc des, par exemple, n'importe quoi. Des compilations sur Kofi Kingston, par exemple. Que je fasse donc son entrée, donc en tant que champion, en tant que non-champion, sur plusieurs arènes. Que je fasse donc ses coups spéciaux, ses finishers en compilation sur plusieurs adversaires, par exemple, hein, ça je pourrais le faire. Hein. Ça pourrait être pas mal, ça prendra du temps, mais ça peut être beau. Ça prendra du temps, mais ça sera beau. Je ferai sûrement ça, quelques compilations, s'il me reste du temps, avant la sortie de 2K14. Évidemment, avant la sortie de 2K14. Allez, le best bite. Oh, fou, moi je suis en train de faire souffrir, Allez, qu'en fait, hurle de douleur, hurle, souffle. On retente, allez, on fait encore une prise de soumission pour le faire souffrir, pour qu'il souffre. Souffre, Kofi, souffre. Ah. Allez, t'es fini là, Kofi, t'es fini. Après la souffrance que je t'ai fait subir. Oh non! Oh là là. Oh là là, Kofi Kingston l'a contré. Kingston is country. Kingston. Allez, le single leg, Boston Crab. Single leg. Ah, dommage, t'as fait souffrir. Yeah, David, yeah. Montre-moi tes muscles. Petit David de ton gars. Allez, et ce deuxième là, tu le contres pas, tu l'esquives pas, tu te le prends en pleine poire. Et voilà, le verdict. Ouais. Ou simplement un, ou Kofi qui est chaud. Ah, j'ai cru qu'il avait fini. Tiens. On va tenter un truc les gars, on va tenter un truc, allez. Ouh, ça compte. Gage. Ah bah ok. C'est fini. Non, il veut pas, hein. Il veut pas abandonner. Il veut pas arrêter, hein. Oh là là, je suis pris un Trouble in Paradise. Je suis pris un Trouble in Paradise. Oh là 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 là. Ah, je suis dégoûté, franchement, je suis dégoûté. Donc on voit que Airtrus et Kofi Kingston, ils sont quand même plutôt poteau-poteau, hein, on voit bien. Hein. Donc après la vidéo, j'irai voir l'amitié entre ces deux catcheurs parce que avec plein des matchs, ils ont... Voilà, là, Airtrus qui a tout bouffé, franchement. Airtrus qui m'a empêché de gagner ce match. Oh là là. Et bien joué à Kofi, hein. Il a subi d'un trouble une paradis pour me battre.
Bah c'est maintenant au prochain match, qui je ne me rappelle plus, qui oppose, mais on se trouvera donc après les petites entrées de nos deux participants. Alors. Ah, c'est un tout point de chance, bah, excusez-moi. Alors, Zack Ryder, Santino et Pico, que je ne me trompe pas. Donc, une équipe, ça serait plutôt un match handicap, ça, franchement. La team Cobra contre un des membres de la team Plumon et Pico. La team Collins, plutôt. C'est plutôt un match handicap, hein, franchement, pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est parti, donc on va prendre. Allez, on va prendre Epica, c'est après. Ah, pas mal ça! Santino qui fonce pour frapper son ami. Hein, pas mal ça. Attendez une seconde que je me mette sur le truc. Voilà. Pas mal ça. Et Santino qui va directement frapper son poteau. Mais bah, battez-vous, hein, je vous laisse vous battre. Hein. Je vais être que téléspectateur. Attention. Regarde, on est en match par équipe. Attention, le match par équipe. Attends, moi je vais laisser se battre. Hein. Si Santino il veut franchement. Tuer notre ami Zack Ryder, hein. Nous, on veut quand même un peu aider Santino, on va aider qui on veut. Santino, hein. tu n'aimes plus Zack Ryder. Vous perdez vos matchs à cause de Zack Ryder. Tu te rappelles face à Ken Tensai? C'est qui a perdu, hein? C'est lui là, mais oui, c'est ce petit Zack Ryder là qui a perdu. Il te sert à rien. Merde, complète-t-il. Cette infâme créature ne te sert à rien. Regarde, je l'ai envoyé dans les cordes. Regarde, tellement que je suis contre lui. Voilà, c'est bien ça, attention à toi. Hein.
Voilà, Santino dégueulé, hein, je croyais que je visais Zack Ryder en moi. Bon, on va faire souffrir le petit Zack, hein. Le petit Zack va souffrir. Tout bien, Santino, va débarrasser la table. Tu la rends plus propre. Toi, je suis en train de bien violer. Voilà, je te le relevé pour toi. Je te le relevé pour toi, Santinote. Tu sais, il a découvert que Zack Ryder était son pote, c'est ça? J'ai pas besoin de deux cons, hein, moi. Moi, je sais me battre. Bon, Santino est quand même assez capote, hein. Là, petit backsplex, tranquillou. Voilà, donc attention. Une back souplex pour Zack Ryder. Une deuxième back souplex pour Zack Ryder. Et on finit avec la belle petite German souplex pour Zack Ryder. C'est beau, hein, l'amour. Tout ça pour Zack Ryder. Voilà, Zack Ryder, il en a pris plein la gueule. Voilà, maintenant on va pousser un peu au sol et on va s'attaquer à Santinote. À Santina Maria plutôt. Bon, un peu fatigué les deux quand même, hein. Alors, Zack Ryder va encore se prendre tout dans la gueule, mais bon. Ah, j'ai une grande idée. Je vais monter sur la table et on va voir qui va venir le premier. Alors, qui vient avec moi? Ok. Qui continue à venir avec moi? Ok. Bye bye. Voilà, moi je continuerai, moi je suis comme ça. On va voir si je peux gagner comme ça, franchement, en éliminant les deux. Allez, oh là là, oh là là, oh là là. C'est Santino, il me suit partout, hein. Tiens. Santicrotte. Prends-le. Ah, Zack Ryder s'est souvenu que Santino était son pote. Il faut faire pour pas le frapper, je suppose, hein. Alors moi je te fais un pedigree, t'as vu? Ah merde, non, 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 non. Oh, ce match va être long. En plus, s'il commence à me prendre à deux, là, oh là là, oh là là. Oh, ça y commence à prendre à deux. Voilà, Zack, t'as compris qui était ton adversaire. C'est Santino, ton adversaire. Je te rappelle. Laisse-moi faire mes trois back souplex. Voilà. Ah. Bravo. 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 Bravo! Ah, mais on est pour tout le monde, hein! Voilà, hein! Comme il y en a pour un, il y en a pour deux, hein! Attends, tu me connais mal là, mais. Et voilà donc Epico qui a battu donc la team Kobo, donc la team Kobo, hein, tout seul en solo. Epico.
Voilà, avec ce beau dos là. Voilà, c'était une machine. Non. On passe au quatrième match de la soirée. Ça, vous l'auriez su, même sans vous le dire. Et un tag team match. Putain, ça met du temps. Hein. C'est bon. Y2G! Excusez-moi, je vais me faire ma gueule, c'est chier! Thank you.
Ouf la baby, hop la baby. C'est dur, soit Jericho Jimmy, soit Daniel. Ouais, pas Jericho. Voilà, tiens Daniel, t'as voulu courir sur moi, je t'accueille avec un petit dropkick. Ce match va être aussi long aussi, je le pense bien. Sauf si une petite scène comme il y en a qui abandonne. En fait, Jericho, c'est le mec qui n'a rien à voir dans l'histoire, quoi. Il a déjà eu un match, un triple choc entre. Il avait écrit Jericho, Randy Orton et Sheamus la semaine dernière. Donc, pas la semaine dernière pour vous, mais au main event précédent. Et là, il a un match par équipe avec Jimmy Uso, alors que Jimmy Uso, donc, qui est en rivalité avec Anthony Chicago. Et sûrement, donc, qui est en rivalité avec Daniel Bryan. Donc, Josh Servant, en fait, qui était en équipe avec Daniel Bryan. Donc, il a voulu conserver son équipe. Ah, ben non. Vous allez perdre, j'espère. Que Jimmy va enfin gagner. Oh, Chris Jericho, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, Jericho. Mais qu'est-ce que je vous aviez dit? Jericho n'a rien à voir dans cette histoire, donc c'est normal qu'il se casse. Faut l'avouer. Jericho n'a rien à voir dans l'histoire, donc c'est normal qu'il frappe Jimmy, qu'il se barre. Hein. Donc là, c'est un peu plus dur pour moi, c'est sûr. Deep purple. Pis, hein. Si je perds, je perds, hein. Puis voilà. Hein. Hop là. Oh, le coup de pied de mule. Je débalance une tournée corde. Je saute par-dessus. Je re-saute par-dessus. Et je fais un uppercut. Un reverse uppercut. Voilà, une petite prise technique, on va dire. Là, je te compte. Voilà, je te relève. Deux coups de pied nul qui passent pas cette fois. Une fois plus de points. Tu me prends prise et que tu me balances dans ton coin. Hop là, je frappe. Je vais frapper Cesaro, voilà. Moi, je l'ai fait. Allez, une petite prise de soumission, une petite prise de soumission. Un peu pour affaiblir son corps, un peu pour affaiblir. Et surtout juste pour affaiblir. Pour Cesaro, il va s'en prendre plein la gueule, Cesaro. Voilà. Attends, on recommence, attention! Hop là! Et hop là! Dommage qu'il n'a pas affronté avec Jay, quoi. Enfin, moi, ils sont frères, ils sont en équipe et tout. Hein. Ah, peut-être que l'équipe n'existe plus, je sais pas, ils sont dissous, je sais pas comment. Ils ont quelques matchs ensemble, mais logiquement, ils sont encore en équipe. Oh, lui percute la tête dans le dos. Sur les côtes, Daniel Bryan. Ah, je me suis gouré. Trop rapide. Je me suis contré de façon trop rapide et tout. Alors, c'est en haut. Logiquement, je devrais perdre le match. Logiquement. Une mule, le armlock suplex, je me mets sur la deuxième corde, j'ai sauté pour mettre sur une corde et dropkick. Hop là, hop là. Oh, le beau neckbreaker, le beau petit neckbreaker. Là, je ne peux jamais de cette prise. Ok, on a sûrement dit Uso. Très beau coup de pied. Voilà le headbutt qui passe bien. Encore un headbutt qui passe bien. Tu montes sur une corde. Oui, tu t'es fail. C'est très bien ça, Jimmy, tu t'es fail. Jimmy, ou TJ, je sais même pas.
Allez. Frog Splash de Jimmy, du Jay, de Uzo, voilà. Mais... c'est bien moi ça, c'est bien moi, c'est tout moi. Bon, on va faire un peu de finition, hein. Juste pour un peu le faire souffrir. Souffre, Harley, souffre. Mal dans les cordes. Et c'est Daniel qui empêche. Voilà Daniel, tu vas pas me faire chier maintenant. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est le Just Man Slam. C'est bien violent. Il y en a qui avait envie de rentrer sur le ring. Fin de tomber, ok. T'as peut-être envie de t'en prendre quelques-uns. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouh le back body, j'ai cru un Samoa drop. Ça m'aurait pas étonné de la part tombée de Uzo, voilà. Ouais, on va appeler Jay, ouais. Ouais, Jay il a un tatouage. Donc Jay plutôt, ouais, plutôt Uzo, parce que Jimmy il a pas trop d'affrontements, je crois. Et désolé si je me trompe, mais je sais jamais si c'est Jay ou Jimmy. Vaut mieux quand c'est mieux quand ils se battent en équipe. Moi tu sais qui est sur le terrain et tout. Donc là je crois que c'est Jay parce qu'il a un tatouage sur il a un tatouage, il a marqué son nom hein, sur sa poitrine, son sein gauche. Hein. Oh là là. Ouh là là. Bien joué. Bah je m'étais fait attaquer par Jericho, donc je pouvais avoir beaucoup de chance. Hein. On passe les replays évidemment, j'ai comme on s'appelle de passer les replays. Et donc la victoire, la scène de victoire entre ces deux petites personnes. Et le main event entre Drew McIntyre et JBL, et je vous laisse les petites entrées. Vous devez savoir maintenant à chaque fois. Hein.
Par contre, on va passer l'entrée de JBM. On a vu donc le début, mais pas la fin, parce qu'elle est un peu longue et un peu chiante. Alors, on va prendre JBM, Jeune Brinchon Light Fair. JBL qui a perdu deux fois d'affilée face au Rock, une fois à Raw et une fois à Main Event. Et donc là, il le retour à Main Event, il veut sa revanche. Il veut battre Drew McIntyre. Drew McIntyre, lui, a perdu face à Triple H en Steel Cage Match. Donc JBL a perdu face au Rock. C'était en tag team match cette fois. JBL était avec Tensai. Et il veut sa revanche, il veut gagner son match. Il le veut, c'est sa victoire, c'est la sienne. Allez JB, allez JB. Ok. On va arrêter ça. Moi ça me paraît la solution la plus logique au monde. Dégage. Voilà, on lève le bras. J'ai voulu retenter le big boot mais ça n'a pas passé. Tu vois, j'ai toujours l'habitude de mettre un S à big boot. Moi, je sais pas si on dit comme ça. Attention, JB, JB, quoi. Contre le d'ailleurs, il me contre, il esquive tout, il me contre tout, il me casse les couilles, voilà. Voilà, JB. Allez! Voilà, le mec de cœur. Juste pour lui faire mal. Voilà, balance bien, balance bien dans le coin. Voilà, Divichy, c'est bien ça, c'est bien. On va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer, vas-y. Le clothesline for hell. Le clothesline for hell qui passe. Passe tranquille, qui passe tranquille. Voilà. Voilà. Là. Oh, d'où là, tu vois. Arrête! Arrête de tout me contrer! J'aime pas quand on me contre. Je dois être passif à mes coups. Espérons réussir cette fois. Oh là là. Je suis fait choper. Voilà. Voilà, vous. On joue pas au. Plus malin avec moi, voilà. C'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, c'est dit, hein. Attention. Voilà. Le Fellow Slam. Mais non, même pas de. Je provoque tout de relevé. Oh, pas le. Ah, ouais, pas le. Bon, je suis bien tombé, voilà. Oui, et voilà. C'est fini. Voilà. Bon, j'espère que ce Main Event épisode 15 vous aura plu. Donc ça sera notre dernier Main Event avant Money in the Bank. Laissez un like, laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tous ces gens, bye bye, à plus. Et on se laisse donc sur la carte de SmackDown épisode 15. Bye les gens, plus.
Peace and love. Bisous.